fond de ses yeux, vous colmatez la brèche et empêchez les fervents de l'écorcher. Sinon, tu auras affaire à moi. Je peux être beaucoup plus inventif. Si vous voulez me tuer, dépêchez-vous. Je cherche des réponses, et je vous conseille de me les donner. Mes réponses ne plaisent à personne. On m'a beaucoup parlé de vous. Cette terre est pleine d'énergie, vieille comme le monde. Primale. À moins d'y être sensible, elle est imperceptible. Mais on peut la canaliser, la modeler pour construire quelque chose. Par le passé, on l'a contrôlée en petite quantité. Mais je visais plus grand, plus loin. Et qu'est-ce que vous avez fait à Irine, à l'asile ? Quand la pierre a éclaté et que le livre s'est détruit, l'énergie s'est comme réfugiée en elle. L'exposition à cette source a des effets terrifiants, elle torture le corps et l'esprit. Je sais ce que ça peut faire. Où est-elle passée? J'ai essayé de purger l'énergie qui était en elle. Mais quand il a capturé Irine à Moira, mes rêves se sont envolés avec elle. De qui vous parlez, là? C'est Aldous qui a enlevé la fille. Aldous! Vous connaissez son surnom, Orion. Mon frère. On a grandi séparés. Mais je l'ai réintégré dans la famille, parmi les éveillés. Comme nous, il était en phase avec la primale. Il était là lors de la cérémonie. Oui, en soutien. Mais maintenant, ses fanatiques recherchent la pierre. Pourquoi Orion l'aurait enlevé ? Il prépare sûrement un nouveau rituel. Et vous avez été à l'Arba très obéissant, apparemment. Et d'abord, vous avez volé pour lui l'anneau de Cornelius, Puis le livre, la pierre dans le donjon. Et s'il trouve l'ultime... Votre œil. Vous y étiez, je m'en souviens. Vous êtes la dernière pièce. Bon courage avec la meute de mon frère. Les invités du baron sont arrivés. Pendant qu'ils réduisent le manoir en cendres, salle de réception.
sans que... Il est là ! On a gagné ! Comment est-ce possible ? Je n'aime pas fouiller dans l'ombre. Concentre-toi, et tu verras l'aube se lever. Il est là ! Je le tiens !